Moi je fais petit Royal Delroy, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui sur la vie de ma tante qui fait du snowboard sur du bitume que je suis énervé de fou. Donc là il y a mon meilleur pote qui m'a appelé. Il m'a dit je vais te mettre ta raclée sur Mortal Kombat. Et je me suis dit peut-être c'était une bonne idée de vous filmer ça. Parce que du coup c'est un jeu vidéo et on va peut-être pouvoir faire une vidéo. Il m'attend en bas du bloc. Bisous maman! I love you! Donc du coup on y va. On prend l'escalier. Ah y'a un mec qui filme ici, y'a un mec qui filme mon pote. Donc là il m'attend avec sa petite caisse de PD là. Donc je vais le steak. Mais regardez-le cette merde. Regardez-moi cette grande merde. Attendez, faut que je vois ce que je filme quand même. Regardez-le cette petite raclure. Aïe 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 aïe. Regardez-le ce petit sac à merde là. Salut Dora exploratrice. Du coup on se donne rendez-vous chez lui. Le stop c'est de l'eau. Petite garance ici. Il aime bien que je me frotte au buisson. Voilà, on arrive dans la demeure. Regardez-moi ce boule, très sensuel. Le problème c'est que c'est pas qu'il y a de la haine qui va se diffuser face à lui. Elle coude, il a gonflé, voilà. Hier on s'est un peu foutu sur la gueule et du coup le coude a pris un coup. T'as faim, tu fais des Kinder, voilà. Kinder, merci. Ouais. Tu as un Kinder? Mais un coup de bleu, gros. Regardez-moi ça, là, c'est requin. Remaster. C'est requin. C'est requin remasterisé, voilà. Mes doches. Ta coupe de faux follet, là. Foot shoot. Tiens, vas-y, prends ça, mon pote. Voici du foot shoot. Regardez ça, voilà. Regardez cette contrebande. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mon pote. Vous connaissez cette chose. Ça, c'est du tout terrain, mon pote. Quand on va n'importe quel jardin avec ça. C'est comme tout le monde. Vous voyez, ça c'est un arbre. Tu me diras, je m'en bats les couilles. Mais ce que je veux te dire, c'est la façon dont il a été abattu, ce fils de flûte. Alors raconte-nous, monsieur Schmitt. Tu veux que je te le raconte? Ouais. Déjà, qui a fait ça? Déjà, c'est Raphaël. C'est les gitans là qui viennent toujours demander ce qu'ils peuvent couper les arbres. Ouais, du coup, on lui a dit oui cette fois. Pourquoi il est. Il... Parce qu'il force tout le temps, il vient toquer à la porte. Ah bah, il voulait absolument le couper. Il voulait le couper. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a trouvé donc... Attends mais t'es en train de me dire... Attends faut que je parle avec toi voilà. T'es en train de me dire que Raphaël il toquait tous les jours à ta porte. Pour venir couper l'arbre. Parce qu'il passait là, il voyait un arbre qui lui plaisait pas, il voulait le cut. Bah ouais mon pote. Donc du coup ce qu'il a fait... Comment il a fait? Il a fait ça tout seul? Il est venu avec son pote. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi. Il est arrivé le mec. Là, il a touché une corde, ouais. À l'arbre là qui était haut comme ça là. Yes. Il était grand comme lui là. Il était grand comme lui, gros. Mais non. Mais il était plus haut même vu ce qu'il est en hauteur. Attends, regardez la surface là. Regardez, comment tu veux abattre un arbre ici? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accroché sa corde à l'arbre. Donc il est venu éclaircir derrière. Il a mis des coups de scie ici. Et l'autre il a débourré avec son camion, il a tiré l'arbre. Mais non. Et l'arbre, pouf. Ils ont fait tomber l'arbre en le tirant avec... Avec le camtar, mon pote. Est-ce que vous êtes content du résultat à la maison? Fais gaffe avec ta caméra, mon pote. C'est parti, gros. T'as pris Cassie Cage? J'ai pris Cassie Cage, je vais te la mettre, mon pote. T'as vu tes techniques ou pas? Tu vas manger. Gros, ça m'énerve, c'est juste parce que moi, j'appuie sur tous les boutons. Mais moi aussi, là, quand on se met pas. Mais non, mais vas-y, t'es un tricheur, mon pote. Bon. Mais gros, il te reste des canettes de vie, putain. Attends. Je viens de te mettre une patate. Du coup, j'ai pas des techniques, t'as des pistolets, je comprends pas moi. Ah ouais? Donc je te tire dans la tête. Ouais. Elle t'en met pas partout. Bon, vas-y, on va refaire un petit combat histoire que je te la mette. Mais gros, que... t'as fini le jeu, j'ai joué qu'une fois dans ma vie. Je vais te prendre une fumeux. Tu vois, pour t'humilier, je te fais que de la fumeux. Tenez, essaim tourbillonnant et grenade frelon. Vas-y, l'apiculteur, moi je te nique ta race. Avec son petit crâne comme ça, j'aime bien. T'as faim? Le gâteau? Moi je veux juste gagner, gros. Je te mets juste une patate pour faire du somme. Là je te laisse un peu gagner. Et hop, on voit ça. Alors, je vais appeler des coups vite fait. Donc du coup, quel sac à mettre. Sur la mec, attends, mais dis par contre. On va faire un autre combat, d'accord. N'aie pas peur. Attends, j'ai pris 2-0 là. T'as pris 1000-0 même. Ah putain, je suis pas bien. Ok. Yeah.
Mais oui, non. Yes, non, yes. T'as vu, gamin, je progresse. Je progresse, gamin. Attends. Ça fait 3-0. T'es sur les nerfs. J'ai envie de te niquer. Je les connais même pas, moi, les mecs, là. Je les connais même pas. Comment tu veux que je les maîtrise? Toi, tu les connais comme si c'était tes enfants. Mais voilà. N'importe quoi. T'as joué toute ta vie au jeu, là. Tu dors pas la nuit. Obtenez la capacité de générer des nuages toxiques infligeant des dégâts. Mais gros, hey, tes combats depuis tout à l'heure, tu passes pas une seule technique. Qu'est-ce que tu cherches à lire? Je t'ai craché sur ta gueule. On a déjà fait 3 rounds, là? Non, on a fait 2. Mais quand tu meurs 2 fois d'affilée, après, ils te laissent plus faire un 3ème round. T'es trop minable pour en faire un peu. J'allais te niquer, là. Bon, une dernière. Mais vas-y, va te défendre ailleurs, mon pote. J'ai que de faire des super techniques, tu jettes. Mais vas-y, toi, t'as la super technique 6 fois d'affilée ou quoi? Mais vas-y, là. J'aime pas te niquer, je vais m'énerver. Je te mets, je mets une claque sur le dos du crâne. Bon, moi, ça me suffit, gros. Tu m'as mis 4-1, là. Voilà, comme ça, c'est qui c'est le patron. T'es fier, hein? T'es fier ou pas? Il va pouvoir faire mon CV. T'es fier ou pas, Chou? T'es fier ou pas? Tu m'as vénère, gros. Attends, tu m'as mis 4-1. Tu m'as vénère. Mais sur la mec, enlève ta main tout de suite, mon pote. Attends. Et te la mettre ou alors? T'as perdu. J'ai perdu quoi, mon pote? Tu t'es mangé 4-1. Parce qu'on n'a pas filmé, vous savez pas, vous. On n'a pas filmé, mais. Quand il me bat à Mortal Kombat, ça m'énerve. Donc, du coup, on fait un Mortal Reality. Donc, on se fait un petit corps à corps pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, ce mec. Après m'avoir mis 4-1, je l'ai balafré. Mais tu balafres personne. Et depuis tout à l'heure, il me dit ouais, moi je fume, moi j'ai mal au coude. Eh gros, y'a des hommes ici. Je peux acheter une gazeuse, voilà. Mais assume, gros. La consécration, c'est que tu t'es fait balafre en 1-1 dans la reality. Mais t'es une merde. Moi je reste serein, tu vois. Quand t'es énervé, tu vas acheter des clopes pour décompresser. Oh là, je vais acheter des clopes. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les frérots. Donc si ça vous a plu, mettez une grande dessous du coude bleu. N'hésitez pas à partager la chaîne, les gars. Prenez soin de vous, prenez soin de votre coude surtout. C'était Médoche. A bientôt, les frérots.